Carl. Fais gaffe, hein. J'ai un drone. Putain, mec, t'es débile, mais je te jure que t'es débile. Ça c'est enregistré, ça c'est enregistré. Yop les tryhards. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Warzone. On va se retrouver pour une classe que je m'attendais absolument pas à faire aujourd'hui. Je m'attendais à la faire un peu plus tard, mais je me suis dit, peut-être c'est le moment de parler de la AK-47. Il était peut-être temps de vous parler de cette arme-là et de cette best class setup. Elle est un peu compliquée à gérer niveau mobilité et maniabilité. Je pense que c'est la pire arme fusil d'assaut en termes de maniabilité, mais elle envoie du lourd, elle est super puissante et je vais en parler un peu plus bien évidemment. On va attaquer tous les accessoires nécessaires, tous les atouts qu'il va falloir jouer avec pour que vous puissiez réaliser votre top 1 et un maximum de kills lors de vos games. Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la cloche de notification. Le gameplay que je vais vous proposer juste après est un 17 kills réalisé en solo, et quand je parle de solo, c'est purement solo. Et évidemment, n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu, voilà, pour cette best class setup, pour cette petite intro, tout ce qu'il faut. 1200 likes aujourd'hui, c'est l'objectif, donc n'hésite pas à lâcher ce gros pouce bleu en début de game. 1200 likes, ça aide énormément la chaîne. Et puis montrez que vous êtes là, le soutien à la chaîne. Je sais que ça fait 3 jours que j'ai pas sorti de vidéo, mais je voulais vous proposer de la qualité et un gros gameplay derrière. Donc voilà, n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu, 1200 pouces bleus. Et comme je vous ai dit, la game a été réalisé sur Twitch, donc n'hésitez pas de me suivre également sur Twitch. On va donc attaquer par la première des choses, évidemment, silencieux, monolithique, là-dessus on est tous d'accord. J'ai pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi silencieux et plus porter des dégâts, c'est plutôt assez intéressant. Même si on va perdre un peu de visée accélérée, ne vous inquiétez pas, on va attaquer ça un peu plus tard. Niveau du canon, on va attaquer le deuxième canon, porter des dégâts, vite. Vitesse des balles et contrôle du recul, c'est le meilleur canon, c'est le seul canon à mettre sur l'AK-47, le reste, vous oubliez, c'est à la trappe, ça ne sert à rien, même si celui-là pourrait être assez intéressant, oubliez, mettez celui-là, c'est beaucoup plus intéressant. Au niveau du laser, cette fois-ci, on va mettre le laser tactique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu mets le laser tactique là-dessus? Le problème de l'AK-47, en matière générale, la visée est super lente et sa maniabilité elle est super lente. Si vous enlevez de la visée accélérée ou tout simplement vous en mettez pas, ça va être un calvaire de jouer à l'AK-47. C'est déjà une arme très compliquée à gérer, c'est une arme beaucoup plus compliquée qu'une M4, qu'une M13 ou que la Gros, qui sont vraiment des armes super polyvalentes. L'AK-47 c'est un style très particulier et si vous avez l'habitude de jouer M4, lorsque vous allez jouer AK-47, ça va être un tout autre style. Et c'est exactement la même chose. Hein. Après, quand vous allez jouer AK-47 et vous allez jouer M4, vous êtes là, vous allez dire « Mais what the fuck, c'est pas du tout comme j'ai l'habitude de jouer. » Donc oui, effectivement, jouer avec un laser tactique, c'est super important. Au niveau de l'accessoire du canon, mettez poignée avant de commando. C'est très bien comme ça, stabilisation du recul et stabilité de visée. Vitesse de déplacement, vous allez perdre un tout petit peu. Cette fois-ci, vous allez devoir en sacrifier, mais c'est nécessaire. Et pour terminer, on va terminer donc sur la poignée arrière pointillée. Tout simplement pour avoir visée accélérée et cadence de tir améliorée au sprint, tout ce qui est corps à corps, ça va être super important. Pourquoi cela? Étant donné que l'AK-47, à partir de long shot, ce n'est pas la Gros, ce n'est pas la M13, ce n'est pas la M4, mais elle va faire beaucoup plus de dégâts, tout ce qui est corps à corps et mi-distance. Vous allez fumer des mecs avec, c'est juste incroyable. C'est pour ça que
en arme secondaire, essayez de prendre un sniper que vous récupérez via un deuxième largage de ravitaillement ou tout simplement avec votre classe initiale si vous prenez surarmement. Voilà, par rapport à ça, c'est vraiment tout expliqué. Je ne mets pas de munitions supplémentaires comme vous avez pu voir dans la petite introduction comme j'ai fait, parce que c'est vraiment pas nécessaire. Vous pouvez descendre 2 gars rien qu'avec un chargeur. Donc c'est vraiment pas nécessaire, et en plus de ça, si par hasard, je dis si par hasard, vous avez une munition à pouvoir d'arrêt, mettez-le sur la AK-47, vous allez fumer des types. C'est la meilleure arme avec munition à pouvoir d'arrêt, c'est clairement la meilleure des armes. Voilà, au niveau du reste, à peu près la même chose, sans froid, éventuellement, avec la AK-47, vous pouvez vous permettre de jouer avec pas de course. C'est vraiment quelque chose, étant donné qu'on a très peu de mobilité. Là, vous allez un peu compenser avec pas de course et vous allez aller beaucoup plus vite, beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. Voilà, en tout cas maintenant, vous allez voir comment l'arme va faire un certain nombre de dégâts. Je vous laisse et on se retrouve à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde. J'en ai une trentaine de victoires. Ouais, tu peux pas me filer plutôt des plaques là parce que je suis un peu dans la merde. Une plaque suffira. C'est incroyable. Ici, j'ai jamais d'aide à la visée. J'en ai jamais. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est pas une impression. Bah ouais, moi aussi, des fois, à certains endroits, j'ai l'impression de pas d'aide à la visée. Si tu commences à t'y mettre au niveau du shoot. Vas-y. Oula, nique ta mère, il m'a sorti quand même. Ok. Ne posez pas la question comment j'ai réussi à m'en sortir, parce que moi-même je ne saurais pas vous donner une réponse. Ah mais il y a encore Vlà le monde. Mais what? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a Vlà le monde encore. Moi, il me faut mon AK-47, là. Il me faut mon AK-47. Let's go. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Non, j'ai pas besoin. Ok.
Ouais, c'est bon. Je joue pas au malin plus avec moi. J'ai beau avoir un sniper, je vais sortir directement l'arme quand il faudra. Merde, j'ai pas fait gaffe à ça. Vas-y, on va vite, très vite bouger. Faut pas que je termine acculé en fait sous les coups. Mais... Ok, je t'ai vu. Allez, dis-moi que c'est sur moi. Ah mais frère, tu le fais exprès le jeu. T'es en train d'aider les campeurs, frérot. Ok. On a 17 kills. Remonte ta tête. Non! Mais non, mais non, mais non, mais non. Vas-y, montre. Putain, je suis trop con. Je suis trop con. Je suis trop con. Putain, 17 kills, j'étais en 17 kills solo. Oh, le seum, j'aurais pu taper 20. Et pourquoi la zone, elle est là? Ça me saoule. Dommage.